Sono nato a Mandelieu in Francia nel 1944, quindi ho quasi 22 anni. Mia madre è francese, mio padre è italiano di Aosta. Ho studiato al liceo classico, faccio l'università nella facoltà di scienze politiche. Sono alto 1,79 m, peso 68 kg. Mi piace la fotografia e parlo troppo. E parlo troppo, ho il difetto di parlare troppo. Athlète, champion, vainqueur d'un bronze olympique, entraîneur, dirigeant, journaliste, politicien, Eddy Hautoz est une icône du monde sportif, et pas seulement celui valdôtain. Personnage charismatique, Hautoz a écrit une des plus belles pages de l'histoire de l'athlétisme italien. Après lui, personne n'a plus réussi à remporter une médaille dans la course de haies. Pourtant, en rappelant le bronze des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, Hautoz ne lésine pas sur l'ironie. J'ai pensé que j'étais arrivé que troisième parce que quand je suis arrivé, j'ai demandé la médaille d'or. Il y a deux gars qui sont déjà arrivés et voilà ce qui est resté. C'est ce que j'ai pensé. Enfin. J'ai risqué parce que j'étais dans des conditions un peu particulières. J'étais sans entraîneur. Mon entraîneur n'avait pas été porté à Mexico par la fédération dont j'étais. Je me suis entraîné seul pratiquement pendant 20 jours. Et j'ai risqué, je pouvais partir normalement et je serais arrivé sûrement deuxième, ou je pouvais risquer et je pouvais arriver ou premier ou fracasser, arriver dernier. J'ai eu de la chance, j'ai risqué, j'ai fait des erreurs, parce que quand on part trop fort, il est très difficile de rentrer immédiatement dans le rythme de la course. Et je suis encore arrivé troisième, ça a quand même marché. La médaille olympique d'Hautoz est arrivée à l'apogée d'un parcours commencé dans les années 60 sous l'égide d'Alessandro Calvesi, technicien d'envergure, père de sa future épouse Liane. C'était l'évolution logique de la parabole ascendante d'un champion qui, au cours de sa carrière, a aussi remporté deux titres européens, Budapest 1966 et Athènes 1969, et a terminé à la quatrième place aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. C'était passé dans la logique des choses. Donc il y avait des pressions parce qu'on s'attendait. À Tokyo, personne ne s'attendait rien de moi. Donc ça a été beaucoup plus facile dans un certain sens. À Mexico, tous s'attendaient des gros résultats. Donc il y avait une pression, il y avait plus de stress. Mais enfin, c'est ce que les athlètes apprennent à supporter ou savent déjà supporter parce qu'ils sont génétiquement préparés pour supporter le stress, sinon ils ne pourraient pas s'entraîner. Pour comprendre à fond le personnage d'Eddy Hautoz, il faut retourner en arrière, au moment où il abandonna les compétitions. Une décision improvisée, arrivé au sommet de sa carrière mais motivé par une profonde honnêteté intellectuelle. Rien, j'ai arrêté parce que je me suis marié et je ne concevais pas, comme je conçois difficilement aujourd'hui quand je vois des sportifs qui le font, qu'un sportif qui se dédie totalement à ça, qui est totalement concentré, totalement focalisé sur son action sportive, puisse être un bon mari ou un bon père. Donc je me suis mis à travailler, En 69, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à travailler après Mexico, je me suis marié. Et après, on m'a pratiquement obligé à Milan, au mois d'avril, à la Pasqua dell'Atleta, à courir de nouveau parce qu'il y avait des questions. Il y avait mon beau-père qui était devenu
le commissaire technique de la fédération. Enfin, je suis arrivé cinquième. Cinquième avec les Italiens, pas avec les Américains. Et alors ça m'a emmerdé beaucoup. Et j'ai dit à Liane, à ma femme, bon, je vais à Formia, on se voit après les championnats d'Europe à septembre. Je suis allé à Formia, je suis resté un mois à Formia. Je suis arrivé deuxième la compétition après, au championnat universitaire. Après, je suis allé un mois dans les États-Unis faire les championnats américains. Après, je suis rentré, j'ai commencé à regagner les compétitions en Europe. Je suis allé à Athènes et j'ai gagné les championnats d'Europe. Après, j'ai arrêté complètement. J'ai dit, bon, maintenant, fini, terminé, cassez plus les pieds. Otos commence à travailler dans l'entreprise familiale et suit les grands événements internationaux d'athlétisme en tant que journaliste pour les grands quotidiens sportifs italiens. Puis il revient sur le terrain, cette fois en tant qu'instructeur technique, responsable national du secteur course de haies, et aussi entraîneur de ses trois enfants, Patrick et Laurent, tous les deux spécialisés dans la course de haies, et Pilar, athlète de saut en hauteur. Quand mes fils ont grandi, ma femme a été tellement agaçante qu'à la fin j'ai dû m'en occuper. Elle s'en est occupée de quand ils avaient 10 ans à 16. Mais après à la fin, c'est devenu insupportable. Tu es l'unique qui ne vient pas les suivre. Tous les parents sont là. Tu es l'unique qui pourrait faire quelque chose. Enfin, à la fin, j'ai pris en main la situation et ça a redébuté. J'ai recommencé à faire l'entraîneur. C'est très difficile. C'est très difficile d'entraîner ses fils, ses propres fils, parce qu'on risque constamment de faire le père en piste et de faire l'entraîneur à la maison. Ce qui est la pire des choses. Mais c'est presque impossible à éviter. On arrive à réduire. Et surtout, les fils ont une pression de la part des autres qui est excessive. Les gens s'attendent qui sait quoi. Et donc ils se sentent trop concernés, ce qui les endommage, enfin, ce qui leur provoque des problèmes. Et je sais pas, Laurent aurait pu faire beaucoup mieux, d'un certain côté beaucoup mieux sans moi, point de vue psychologique. Quoique, même si je ne l'avais pas entraîné, il y aurait toujours eu des attentes, le fils de Diotto, etc. Mais il est aussi vrai qu'il n'y avait personne d'autre en condition de les entraîner. Les courses de haies sont finies du 70 aux années 90, et après que Laurent a quitté, sont refinies. Il n'y a pas d'entraînement en Italie. Malheureusement, il n'y a pas d'entraînement en Italie. Et parce qu'on a... je ne veux pas faire un discours fédéral, là, ce n'est pas le cas. Et donc, je sentais le devoir de le faire, en même temps, là, la difficulté de le faire. Et même chose avec Patrick, même chose avec Pilar. Avec Pilar, le rapport a été plus équilibré parce que après avoir sauté en hauteur, d'abord elle faisait soit en hauteur et non seulement la course de haies. Donc c'était autre chose. Après avoir sauté 1,78 m à 16 ans, elle a eu des problèmes au genou, elle a dû quitter. Donc elle n'a pas dû souffrir le père pendant si longtemps. Le sport dans la famille Otos a été une présence constante, une raison de vivre. Le sport constamment dans ma famille, une présence constante évidemment parce que ma femme, alors Liane est la fille de mon ancien entraîneur. Mon ancien entraîneur a été un des académiciens de la première année de l'Académie d'éducation physique de Rome à la fin des années 20. Et ça a été le plus grand entraîneur qui ait jamais existé en Italie. C'était un enseignant, un professeur d'éducation physique. Sa femme, donc la maman de Liane, a été 8e aux Jeux Olympiques de Berlin dans le lancer du disque. C'est elle qui a battu le record de Vittorina Vivenza d'Aoste dans le lancer du disque. Aussi, elle a fait l'académie. Que pour les filles, pour les femmes, était à Orvieto, donc aussi elle enseignait l'éducation physique. Liana, ma femme, a fait l'ISEF,
Elle s'est successivement, elle a pris la maîtrise à Lyon en sciences de l'entraînement. C'est un des entraîneurs les plus qualifiés sous ce point de vue en Italie. Donc, dans sa famille, c'était, on mangeait du sport, on dormait avec le sport et on buvait du sport. Ce n'était pas la même chose pour moi. Moi, je ne suis pas particulièrement sportif. Moi, j'aimais gagner. Je n'avais pas la culture du sport. Et la culture est venue, si elle est venue, je ne sais pas encore, mais tout doucement. Et, tandis que chez ma femme, c'était vraiment le sport, c'était la même chose. Et moi, j'étais beaucoup plus focalisé, j'aimais gagner et j'étais plus un combattant qu'un professeur. Et donc après, mes fils ont respiré la culture de ma femme, de Liane, et ils ont respiré la focalisation et la détermination du papa. Et ça a été une aventure sous certains aspects merveilleuse, parce que j'ai pu vivre avec mes fils à un âge où les parents ont perdu les fils depuis longtemps, dans le sens que j'ai suivi Laurent et Patrick, et Pilar, mais enfin Laurent et Patrick, de quand ils avaient 15 ans à plus de 30 ans. Pourtant, le sport, selon Otto, se combine mal avec la culture italienne. Nous vivons en Italie, pas à l'étranger, mais en Italie, dans une culture qui sépare le corps de l'âme. Nous avons un héritage catholique agostinien, je ne sais pas si ça existe en français agostinien, mais enfin, selon lequel le corps est corruptible et l'âme est la partie noble. Le sport, malheureusement, pour la politique, est cruel. Il y a un qui gagne, un qui arrive deuxième, un qui arrive troisième, et il n'y a pas de question. Et les enfants le savent. Et donc le sport transmet des grandes leçons de vie, cruelles si vous voulez, mais dans le sens qu'il faut s'engager pour obtenir, il faut s'entraîner pour avoir, il faut payer pour avoir des résultats, payer en termes de soi-même. Le sport est sélectif et donc méritocratique, et ce dès la naissance. Il faut avoir des qualités, parce que 50% des qualités d'un champion sont génétiques, donc rien à voir avec l'entraînement, mais il faut aussi l'entraînement, sinon la génétique ne suffit pas. Et de la partie qu'on peut changer avec la vie pour améliorer, disons, ses performances physiques et mentales, tout est fixé avant les 10 ans, 90%. Donc l'entraîneur qui croit d'entraîner, au fait, il travaille sur 5% de l'individu. 50% est génétique, 45% est déjà fixé. Et lui, il n'est pas en condition de... La grande erreur des entraîneurs, c'est de croire de pouvoir changer en mieux les athlètes. Les entraîneurs doivent accompagner les athlètes à obtenir leurs meilleurs résultats. Son record italien sur le 110 mètres haies perdure au fil du temps. Il ne sera battu par son fils Laurent qu'en 1994, à une distance de 26 ans des Jeux de Mexico. Pour Eddy, la raison en est évidente. On a oublié le rythme et l'esthétique du geste. On est passé à développer simplement vitesse et force. Ce qui fait qu'on est plus fort, on est plus rapide, mais après il faut mettre ensemble tout cela. Et ce n'est pas simple, il n'y a plus de grands entraîneurs dans les haies. Actuellement, on est au zéro absolu en Italie en ce moment. Il suffit de voir les résultats. On a oublié les leçons du passé, on a voulu changer sans sauver ce qui était l'hérédité du passé, l'héritage, pas l'hérédité, enfin, et qui devait être sur lequel fallait superposer les nouveautés et non pas substituer les nouveautés. De même qu'il est clair aujourd'hui que la FIDAL ne soutient pas comme elle devrait les athlètes, comme elle les soutenait par contre dans les années 60-70. Il y avait une fédération comme aujourd'hui, une fédération qui travaillait pour les athlètes, et ce qui n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, paraîtrait-il que la fédération s'occupe de gérer la fédération. Et tandis que le but des fédérations sont les athlètes.
ce n'est pas la structure fédérale, la bureaucratie de la fédération. Cela a été un peu le point qui a de passage avec la situation actuelle dans l'athlétisme, je ne veux pas parler d'autres fédérations. Et les fédérations deviennent des organismes qui ne pensent qu'à gérer soi-même, qu'à alimenter soi-même, qu'à agrandir soi-même. Elles perdent souvent le but précis qui est celui de s'occuper des athlètes. On ne peut pas faire d'athlétisme sans les athlètes, il n'y a pas besoin de fédération. On ne peut pas faire d'athlétisme sans les entraîneurs. Tout le reste est une superstructure qui devrait être réduite au minimum pour pouvoir avoir plus de ressources pour les athlètes. En 2001, il entre à faire partie de la junte nationale du CONI. Mais il était déjà président régional depuis 1993. Le choix de faire le dirigeant sportif a été un choix obligé, dans le sens que, j'ai toujours eu une position assez de confrontation avec la Fédération d'athlétisme, qui au fait n'a pas amélioré dans le temps. Nous sommes au coma profond et nous allons vers le coma irréversible. Actuellement, il est président régional FIDAL. Mais la fédération d'athlétisme italienne, malheureusement, elle n'est pas très bien montée. Et actuellement, on ne voit pas tant quels peuvent être les aboutissements, de quelle façon pourrait-on améliorer la situation. Parce que le climat, les personnes, les personnages, les ressources, enfin, il y a des problèmes. Le comité olympique a été renouvelé complètement. Quand je suis arrivé en 2001 et j'ai commencé à travailler avec le comité exécutif, le CONI avait 3335 dépendants, et une grande partie desquels étaient aussi chez les fédérations, travaillaient pour les fédérations. Nous avions 1100 milliards de livres, milliards de dettes. De 2001 à 2006, on a redressé la situation. Nous avons actuellement 1560 dépendants, donc moins de la moitié. Nous avons zéro dette. Et les fédérations ont de nouveau, quoi qu'elles se plaignent toujours, mais c'est normal, l'argent qu'elles avaient avant 2001. Parce que ce qui s'est passé, c'est que de 1998 à 2001, les revenus del Totocalcio sont chutés de 1100 milliards par an à 350 milliards par an. Ce qui a créé la grande dette du comité olympique qui a dû quand même continuer à financer toutes les fédérations pour la préparation olympique et leur activité. Otoz, en qualité de président du CONI, a été l'un des promoteurs du Pala Indoor, la structure polyvalente qui permet à tant de sports de pouvoir être pratiqués durant toute l'année. Le Pala Indoor sert pour toutes ces activités techniques qui ne peuvent pas être interrompues l'hiver et que malheureusement, avec la neige et le climat que nous avons, sans une structure adéquate, ne peuvent pas être développées. Pour ce qui concerne l'athlétisme, le Pala Indoor est devenu le pôle d'attraction de tout le nord-ouest de l'Italie, donc Piémont, la Ligurie et la partie occidentale de la Lombardie. Nous faisons des compétitions pratiquement toutes les semaines le long des mois de janvier, février, moitié mars, et avec un grand succès. Et nous pouvons faire tous les entraînements tels que se fait l'entraînement aujourd'hui, dans le travail technique d'hiver. Et nous hébergeons aussi des stages, des sociétés de Hors-Vallée qui viennent s'entraîner ici, des athlètes qui viennent s'entraîner, même des athlètes de très haut niveau. Ça a été le cas de 2 ans, nous avons eu les grands sauteurs à la perche mondiaux, Yelena Izimbaeva, Vitaly Petrov, etc.
disons, finalement, nous avons la base pour pouvoir travailler. Le Pala Indoor en tant que pôle technique, pas seulement italien. Pour ce qui concerne le Pala Indoor, nous voudrions que ça s'élargisse aux trois cantons suisses, disons à Valais, Vaud et Genève, et à la Savoie et Haute-Savoie, pour pouvoir faire de l'activité ensemble. La carrière politique d'Otos commence en 1998. Un homme de sport dans le monde de la politique rencontre beaucoup de difficultés. Les valeurs du sport ne passent pas en politique. J'ai porté dans la façon de travailler les valeurs du sport, soit le respect des règles et la méritocratie, qui ne sont pas des valeurs très appréciées en politique. Voilà, nous le voyons tous les jours. Et donc, je n'ai pas eu ce grand succès politique, il faut le dire. Enfin, voilà. Sur son site internet, il se définit personnage peu convivial, emprunté, maladroit, plutôt masochiste, champion des plaisanteries lourdes et mal placées. Un homme qui s'est engagé, jamais banal, prévisible, et qui a cherché à voir la vie d'un point de vue différent. Hippocrate disait que le médecin, on le dit aussi en faisant une boutade, un médecin est un monsieur qui entretient le malade tant que la nature le soigne. Et l'entraîneur est un monsieur qui doit être tellement bon psychologue qu'il doit accompagner l'athlète tant que la nature et sa nature l'entraînent.